Même si tu arrivais à guérir de toutes tes allergies, les animaux sont des êtres vivants, c'est un boulot à plein temps. Oh. Ah, désolé pour le rideau, mais j'ai le soleil dans les yeux. Le soleil? Mais ça fait longtemps que la nuit est tombée. Mais c'est quoi ça? Sortez tous, on va vous protéger. Transforme-toi en un alien grand et fort pour capturer cette créature. Un alien grand et fort? Non, attendez, pas fort, responsable. Peut-être qu'avec cette nouvelle apparence, je vais pouvoir maîtriser Chachiump de la façon la plus responsable possible. Oh! Et hop! C'est moi, mon vieux! Ah! Ah! J'ai peut-être fait une erreur de calcul. Arrête! C'est moi, ton compagnon. Je ne comprends pas ce qui a pu provoquer ce changement de comportement en toi. Toujours aussi naïf, Tennyson. Le docteur Animaux? J'ai pris beaucoup de plaisir à t'observer tomber amoureux de ma créature uniquement pour te briser le cœur. Et maintenant que c'est chose faite, c'est le reste de toi que nous allons briser. Il contrôle mon chat chien pain adoré à l'aide de cet appareil auditif télécommandé. Voyons si ses bras en plasma peuvent faire pencher la balance en ma faveur. Il faut que je retire la télécommande auditive du docteur Animaux. Que se passe-t-il? Extermine le monstre! C'est ton créateur qui te l'ordonne! Tu n'y arriveras pas sans ta stupide télécommande! T'es un lâche, docteur Animaux! Tu fabriques des monstres pour faire le sale boulot à ta place! Mon plus grand bonheur dans la vie, c'est de faire des expériences sur les animaux. Je sais que ça peut paraître légèrement étrange quand on ne saisit pas toutes les nuances. Mais tu as raison. Parfois, il est préférable de finir le travail soi-même. Aïe! Lâche-moi, satané animal domestique hybride à la noix! Chachiampin! Tu as gagné, docteur Animaux! Il est impossible pour un enfant de 10 ans comme moi de te battre! Félicitations! Tu te rends enfin à l'évidence! Peu de personnes sont capables de le faire! Heureusement, tu as parlé tellement longtemps que mon Omnitrix s'est rechargé! Pigeon robot, secours! Je n'ai pas dit mon dernier mot, Tennyson! Un jour, j'aurai ma revanche! Tu vas bien? Oui, mais il faut que je retrouve le chat chien-pain. Le quoi? Viens, mon grand! Hein? Qu'est-ce que t'en dis, grand-père? Je me suis montré plus que responsable pour gérer cette situation, hein? Hé, reviens! Le docteur Animaux ne l'a pas créé pour être un animal domestique. De plus, il n'aurait pas été heureux enfermé dans ce van durant tout l'été. T'as raison. Alors qu'est-ce qu'on fait de lui? Tu vois, Ben, cet endroit est parfait. Ouais, il a l'air d'être très heureux ici. C'est la chose la plus responsable à faire. C'est l'heure de nous dire adieu, mon petit gars. Finalement, je suis pas assez responsable pour avoir un animal pour l'instant. Mais en tout cas, je le suis déjà assez pour le reconnaître. Hé! Ce qui signifie qu'en réalité, je suis peut-être assez responsable pour en adopter un. Non. Ah, je tentais ma chance.